Rebonjour à tous. N'importe quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cet épisode. On s'était arrêté lorsque Kuro découvrait que Ori était dans son nid. S'en est suivi une chute mémorable et là on sent qu'elle attend pour bondir. Et donc comme je vous disais à la fin de l'épisode précédent, c'est un combat de boss, mais vraiment particulier. Et c'est parti. Ah voilà, vous voyez. C'est chaud patate. Calme-toi, calme-toi. Ah, raté. C'est bon, on est safe. Enfin presque. Nous l'avons échappé belle. Je comprends mieux pourquoi elle nous en veut tant. Si Kuro nous pourchasse, c'est simplement pour protéger son enfant. Ori, n'oublie pas qu'il nous reste encore à raviver l'élément de la chaleur. La pierre solaire que nous cherchons se trouve sur les hauteurs du col du chagrin. Chevauchons les vents, ils nous montreront le chemin. Et donc, nous partons, eh bien, en quête de cette pierre qui nous permettra d'ouvrir, eh bien, le dernier donjon, bien évidemment. Coucou toi! Bon, tu vas aller par là, ça va être bien. Alors, voyons voir. Donc là maintenant, voilà c'est ça, c'est en gros il va falloir qu'on remonte tout en haut. Tant qu'à faire, donc on va faire un petit crochet dans la... comment dire? On va retourner dans les brumes, chemin des brumes. Histoire de choper un petit peu de... Oula. Ah oui mince, je l'avais pas vu. Oh là 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 là, j'ai fait n'importe quoi. Alors, je sais plus. Tac tac tac. Si c'est ça. Alors, on peut aller chercher aussi... Non, vous savez quoi, on verra ça plus tard. Là, je ne peux pas encore y aller. Ah! 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 C'est très mal barre. C'est très mal barre. C'est passé. C'était chaud patate. Non, attendez, je n'ai pas encore... Bon, va aller. On va les calmer un peu. Voilà, donne-moi de l'expérience, c'est parfait.
besoin d'expérience. Oh, la mort bête. En fond, je veux... Mais, pourquoi je me trompe de bouton? Mais c'est qui, ils m'en veulent? Oula. Attends, je vais m'occuper de ton cas. Voilà, encore un? D'accord, ok. Ça me fait plaisir. Tiens, mange. Voilà. Quel bourrin, souris. C'est pas très Charlie, ça. Allez, revends le nom. Alors, je savais pas si je vous l'avais dit, mais saviez-vous Eh bien que les modèles utilisés, donc le décor de Ori est en 2D, c'est de l'illustration, mais les personnages, tels que Ori et Kuro, sont en fait en 3 dimensions. C'est fou, n'est-ce pas? Et donc avec un rendu type, je pense, cel shading, pour renforcer cette, cette facilité en fait d'insertion dans le jeu. Alors donc, nous allons aller jusqu'au fond des brumes pour récupérer un peu de d'XP. Parfait. C'est parfait tout ça. Donc là, je vais pouvoir. Non, on va booster. On va booster l'attaque. Alors heureusement, nous ne sommes plus obligés de refaire tout l'espèce de labyrinthe dégueulasse. Eh bien du que nous avions fait déjà au début, n'est-ce pas? Même si on retrouve un petit peu le schéma du... comment? Des bois brumeux, bien évidemment. Ouch! Ouch! Mais c'est qu'une vis en plus! Les fumiers! Faire péter un truc par là. Non, absolument pas. Ah, il s'est protégé avant. Parfait. Merci, au revoir. Allez, on retourne au début. Ah, mais attendez, deux points, c'est parfait.
Augmentons l'attaque. Ce qui va grandement nous faciliter la tâche. Hop, hop. Ah mince. Bah, vas-y, tu passes à travers les murs, toi, maintenant. Merde. J'ai pas fait attention, j'ai pas fait attention. Voilà, nous allons pouvoir les sauvegarder et reprendre la suite. C'était juste un petit détour. Maintenant, allons-y. Team. Nous montâmes. Évitons les pièges sournois. Aïe! Pas tant que ça en fait. Voilà. Alors, la question est... Oui, non, voilà, c'est comme ça. C'est par là. Suivez-moi les amis. Oh les vilains pas beaux crapauds. Je vous ai déjà dit que je les aimais pas. Surtout quand ils sont pleins comme ça, c'est un vrai bordel à l'écran. Ah bah alors, apprendre à viser. Ah bah voilà. Quand même. Voilà. Reste bien dans le coin là, tu vas bien m'aider. Par contre, ne bouge pas trop. Alors, ici, nous avons donc un passage, très bien. Nous allons voir si nous le prenons maintenant. Il me semble qu'il y en avait... Non, il n'y en avait pas, hein, par là. Mais non, forcément. Ça passe. Ça passe aussi. Seulement, il fallait pas faire ça. Très bien. Aïe, aïe, je me précipite, il ne faut pas se précipiter dans ce jeu. Alors, où est la dernière? Tac, tac, tac.
Tiens donc. Ah oui, il y a un truc avec ces machins-là. C'est vrai. Et vous allez me dire, mais quel est ce truc? Vous allez voir. En fait, on fait ça, et là on fait ça, et voilà. Ah, il y a forcément, il m'en manque une. Qui était là, bien évidemment. Juste sous mon nez, sinon ça serait pas drôle. Et donc, on peut ouvrir d'autres passages. On peut ouvrir d'autres passages, notamment. Alors là, je peux ouvrir un raccourci. Le 4 que vous voyez ici. Pour l'ouvrir, on va faire comme ça. Si on y arrive, ça serait bien. Voilà. Voilà. Je n'ai pas la pierre. Ah, excusez-moi. Petite pause impromptue à cause d'un antivirus capricieux. Ah bah là voilà la carte. Alors très simple hein. Très simple, quand ça veut bien fonctionner, voilà, c'est qu'il faut faire ça. Et il me semble même. Oui c'est ça. Attention les yeux, vous allez voir quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Voilà, on va faire en fait le tour. Vous allez voir, c'est fantastique. C'est fantastique! Vous voyez, le raccourci qu'on nous a demandé, en fait, il nous a amené là. Donc, eh bah, du coup, on va le faire. Ah! Excusez-moi. Oula, oula, oula. Attends, j'étais pas prêt. Pause, j'étais pas prêt. Voilà, tu te calmes maintenant, Romuald. Donc, on va pouvoir aller là-bas. Je ne sais plus du tout si c'est par ce chemin qui sent la noisette. Bien évidemment, nous n'oublions pas. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Excuse-moi. Ah, bon, ça tombe bien. Ça tombe bien, il fallait que je rattrape ma boulette. Je vais trop vite! Calme-toi, ce n'est pas. Je ne suis pas en speedrun. Voilà. Allons-y tranquillement. Nous ne sommes pas pressés. Voilà. Bon là par contre on peut lui défoncer sa mère maintenant. Ah! La sale bête. Ah non, ouais voilà, c'est bien ce qui me semblait, il y a un truc là-haut. Intéressant, n'est-il pas? Mais en fait, je crois que c'était pas du tout par là.
Alors, voilà. Au moins, on récupère un deuxième point. On va pouvoir améliorer la zone d'impact. Ce qui va nous permettre vraiment de booster toute notre attaque. Dans le but de déchaîner les enfers. Salut, toi. Alors. Ah! En fait, le truc, c'est que j'étais en train de me dire, c'est pas du tout par là qu'il faut que je passe. Mais oui, parce qu'en fait, j'ai pété le jeu. J'ai pété le jeu. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, qu'on pouvait finir avec 4 pierres supplémentaires par rapport à ce qui était prévu dans le jeu. Pourquoi? Vous allez voir. Voilà, je pensais qu'il allait sauter plus haut. Attendez, je vais tenter un truc. Merde. Jean-Michel, je tente des trucs. Attention. Oh, jonglage. Non, raté. Ah, merde. Oh, bah là, c'est foutu, là. Reviens par là, petit. Voilà. Non? Oh, bah alors. Vous allez voir, je vais y arriver. Non? Qu'est-ce que... Bon alors, histoire quand même de pas tout péter le jeu, on va faire ce qui était prévu par les développeurs. Voilà. Là on esquive tout ça. Il fallait que j'esquive, la vache, oui, j'étais vraiment très très mal. Alors par contre on est d'accord qu'ici ça va être chaud patate. Voilà. Et normalement, on devait arriver ici. Vous allez voir qu'en fait, ça change pas grand chose. Voilà. Attention. Raccourci. Maintenant, reprenons le jeu dans le bon sens. Oui, c'est ça. Oula. Qu'avons-nous par ici? Je ne sais plus. Ah, je crois que nous avons un... Justement... semblerait que... Il y a un casse-tête quelque part à résoudre. Alors là, il y a un petit trophée à faire, assez sympa. Savoir jongler avec la pierre sans la faire tomber. Et je le ferai plus tard. Ah ! Quel sac à main. Eh bah du coup je l'ai fait ce trophée, parfait. Le trophée dont je vous parle, je viens de le faire. Voilà. Je me trouve très bon quelquefois, entre mes innombrables morts. Mais... Ah, de l'autre côté, trop du cul.
décidément. Alors, c'est ça. Ici, il faut faire ça. Voilà. Et alors, ici, pour passer... Ah, j'ai fait du caca! Ça suffit? Mais ça suffit, voyons. Alors. La question qui tue, c'est comment on fait déjà. Parce que je crois, voilà, si je fais ça, de toute façon, je suis bon pour claquer. Donc, peut-être un truc comme ça. Oui, c'était un truc comme ça, parce qu'ensuite on fait ça, voilà. On arrête ce G. Mais au fait, je n'ai pas placé la carte. Quelle buse. Et donc là, nous en tac. Tac, et voilà. Je crois qu'on n'est pas très loin de la, justement de l'emplacement. Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'on va aller la placer tout de suite. Vous voyez, il y a des trucs que j'ai pas encore fait. En même temps, je ne peux pas aller les chercher tout de suite. Étant donné qu'il me manque encore un pouvoir. Ah bah alors. Je vais mourir comme une buse. Incroyable. Voilà, merci, au revoir. Très bien. Moi, la carte est mise. Vous voyez, on est presque arrivé en haut du col. Eh bien, allons-nous. Allons-y. D'un pas enjoué. Bonjour. N'es-tu pas intéressé? Je vous ai dit que je n'étais pas intéressé. Et c'est moi. Comment ça, une zone dangereuse? Quelle zone dangereuse? D'accord. Là, est-ce que vous accepteriez? Oui. Alors qu'il y a des pics de chaque côté. Très bien. Il n'y a pas de problème. Que des solutions. Alors. Attention, dextérité. Du doigté et du calme. Pour ce passage. Car ici, il me semble que les pics nous tuent en un coup. Voilà. Nous avons donc deux pierres. Alors peut-être pas en un coup, mais en tout cas, voilà, très vite.
je vous avais dit très vite. Alors. Aïe, saute. Ouh, passage secret. Nous avons les quatre pierres. Allons ouvrir de ce pas la porte. Je suis... Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Attends, regarde, je vais te montrer un truc, tu vas voir, ça va être super. Vas-y, regarde, regarde, va sauter par là. Voilà. Tout va bien. Ah voilà, ça c'est bien. Cet esprit s'est aussi sacrifié pour Nibelle. Nir volait à tire d'aile, partait à la conquête des cieux. Son monde n'avait aucune frontière jusqu'au jour où la forêt devint aveugle. Et maintenant vous allez voir un nouveau pouvoir. Je crois que c'est saut du mur. Le saut avec élan, voilà. Et donc là, le saut avec élan. Et bah c'est juste un truc de fou qui nous permet justement maintenant et bien de péter des murs tout en étant accroché. Ah j'ai fait le bêta. Pourquoi mon bouton n'a pas fonctionné pour le parachute doré? En même temps, c'était effectivement pas ça qu'il fallait faire. Des musiques magnifiques. Ah, j'ai fait le boulet. C'est pas grave, on va essayer un truc. Jean-Michel tente des trucs. Voilà, si je fais ça. Voilà, parfait. Nouvelle cellule d'énergie. Parfait. Donc là, 3 et 3, donc dans 6 points. Dans 6 niveaux. Eh bien, j'aurai toutes les attaques possibles. Ce qui en soi, vous verrez, ne sert pas à grand chose. Il a fait mon double saut avant que je lui demande de le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a un petit peu la mort mousse. Voilà, c'est vrai, j'ai oublié que dans ce passe ici, ils veulent qu'on utilise eh bien, la capacité si durement apprise. Je me suis empalé sur je ne sais quoi. Ça va devenir compliqué là. Attends.
On finit de s'occuper d'elle. Bah oui, bah. Surtout si on s'en occupe de cette façon. On sauvegarde. Et c'est parti, mon kiki. Peut péter des murs en fonçant dedans comme un ours. Ah bah alors. Mais... laisse-moi viser un peu. Merci. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Rassurez-vous, on va aller jusqu'au bout. Alors. Donc là, maintenant, on va pouvoir, par exemple, aller débloquer la cellule de vitalité qui est par là. Ce que nous ferons, eh bien, plus tard, parce que déjà, il faut que nous montions au sommet du monde. Mais de toute façon, vu qu'on va redescendre ensuite, eh bien, on en profitera à ce moment-là. On récupère un petit peu de PV, de XP. Je comprends pourquoi Kuro évite cet endroit. La pierre solaire émet encore la lumière qu'elle craint tant. Tu as trouvé la pierre solaire. Cette rune légendaire permet de pénétrer dans le mont Oro. La pierre solaire nous permettra de franchir les portes du mont Oro. Mais sens-tu ces secousses, les grondements de la terre, le mont Oro s'apprête à cracher ses flammes. Nous devons faire vite. Oui. Et donc maintenant, nous allons partir en direction du boss qui crut pour récupérer la pierre solaire dans le col du chagrin. Mais ça, eh bien, chers amis, ce sera pour la suite des aventures de Ori. Mais avant de nous y rendre, nous irons eh bien, dans un autre endroit qui nous racontera un petit peu le passé d'un personnage que vous avez vu déjà dans, dans ce jeu. Je ne vous en dis pas plus et on voit ça la prochaine fois, c'est promis. Allez, à plus tout le monde et merci d'avoir regardé la vidéo.